Alors, le Festival Regards sera à sa 23e édition cette année, donc ça aura lieu du 13 au 17 mars. Donc, dans plusieurs lieux, essentiellement à Chicoutimi et à Jonquière. Et nous poursuivons en fait les programmations en salle. Il y a le volet marché aussi qui est très important. Il va y avoir par exemple une rencontre, une discussion devant public à la salle François Brassens avec notre porte-parole Rémi Girard. Puis on poursuit aussi tout le développement du volet jeunesse, donc plusieurs séances pour les tout-petits et les adolescents. Alors ce qui est nouveau cette année, par exemple, donc nous aurons un dôme qui sera installé face à l'hôtel Chicoutimi sur la rue Racine et ce sera des projections gratuites. Il va y avoir toutes sortes d'activités là. L'idée, en fait, c'est d'occuper le plus de lieux possible durant ces 5 jours-là. Donc ça, c'est une nouveauté. Ensuite, on a fait beaucoup de nouveaux partenariats aussi. Par exemple, les festivaliers qui auront un passeport pour le festival pourront circuler, en fait, avec la STS gratuitement pendant tout le festival. Donc nous, ce qu'on mise beaucoup, c'est l'expérience festivalier et bien sûr la qualité des activités. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités aussi qui ciblent les jeunes. Oui, absolument. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent dans les écoles, mais on fait aussi des activités pendant le festival. Donc, les petites vues, par exemple, qui s'adressent aux tout petits, âge préscolaire, primaire. Puis, on fait aussi des activités dans des salles de cinéma aussi au Lac-Saint-Jean qui vont avoir lieu plutôt en avril. Évidemment, nous, on veut vraiment mettre en place des politiques de développement durable. Donc, nous avons réduit aussi notre programme imprimé. Donc, nous nous concentrons plus sur la présentation des films. Puis on a vraiment enrichi, dans le fond, notre site web, donc pour que ce soit très clair, en fait, quelles sont les activités, la grille horaire, parce qu'il y a tellement d'activités dans le festival, en fait, qui se déroulent au même moment aussi, qu'on invite vraiment les festivaliers à aller sur notre site web. Bien, c'est sûr que ce qui me tient plus à cœur pour moi, c'est les films. C'est pour ça que je vis, c'était au film que je carbure, donc toute notre compétition. Mais j'ai un sérieux faible pour notre volet régional, je dirais. Donc, notre compétition 100% Saguenay, c'est clair que ça reste toujours un de mes petits coups de cœur de l'année. Mais comme ça fait 8 ans qu'on présente cette soirée régionale-là, qui a commencé en étant une soirée régionale. Ensuite, on y a attribué un prix qui était une bourse à la création régionale qui était décernée par le jury public. Mais là, maintenant, on a décidé d'officialiser tout ça et d'en faire une vraie compétition parallèle. Donc, c'est un jury de professionnels, de programmateurs internationaux et nationaux qui vont décerner le prix autant de Tournée à tout prix que de la compétition 100% Saguenay. Il y a des centaines de festivals comme ça partout à travers le monde. Sont plus rares ceux qui sont exclusivement dédiés au court-métrage parce que souvent, les plus grands festivals, les plus reconnus comme le TIFF, vont développer un volet court-métrage, mais vont drainer tout le prestige avec leur renommée de festivals de long-métrage et tout ça. Donc, je pense que comme des festivals un peu équivalent au regard exclusivement dédié entièrement au court-métrage, je pense qu'on peut se qualifier parmi peut-être dans le top 20 certains des bons festivals dans le monde. Qu'est-ce qui fait de regard un festival unique? Sa convivialité, toute l'expérience en salle qu'on ajoute, en fait. On ne fait pas juste présenter des films à regard. On crée une expérience pour le public, pour les cinéastes aussi. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un festival unique. C'est un montant de 55 000 que Ville de Saguenay octroie pour la 23e édition du festival. Pour nous, c'est un bijou. On voit une évolution juste au niveau de tout le dynamisme du comité organisateur, tous les partenariats qu'ils ont créés, leur implication auprès de la jeunesse. Écoutez, c'est vraiment un événement fort. Et Ville de Saguenay, on est très fiers d'être l'hôte de ce festival. Encore une fois cette année pour une 23e édition. J'invite toute la population à venir se joindre, jeunes, moins jeunes, néophytes, ceux qui sont initiés. C'est vraiment une occasion tout à fait spéciale. On est très heureux d'avoir encore et on souhaite que le festival perdure pour que justement Ville de Saguenay demeure un phare dans la matière de pour ce qui est d'un concours au niveau du court-métrage.